Je me faisais une fête de vous voir, et chacun devine l'émotion qui m'étreint lorsque je dois m'adresser à ceux que, d'une manière ou d'une autre, je considère comme des compatriotes. Mais dans cette fête, pas un instant, je ne me dissocie du malheur qui vous frappe, qui nous frappe, qui me frappe. En pensée et en empathie avec les familles des 3000 morts que nous avons à déplorer après ce tremblement de terre, je vous propose que par un usage universel, ensemble, nous marquions une forme de communion avec la douleur des nôtres en observant ensemble une minute de silence. Cet instant et l'écho qu'il doit avoir parmi le peuple marocain, étant entendu que nous venons de manifester notre appartenance à cette communauté humaine, je vous propose de partager l'admiration que je ressens en ayant pu observer sur place et connaissant de longue main les traditions de ce peuple pour l'avoir pu l'éprouver une première fois au moment du tremblement de terre d'Agadir, où les hommes de ma famille se mobilisèrent la nuit même pour participer avec tous ceux qui coururent apporter leur aide à la ville et à la population d'Agadir. Je voudrais dire mon admiration pour toutes celles et tous ceux qui instantanément se sont mobilisés, prenant avec discipline la file pour faire don de son sang. Les autres pour accourir sur place, chacun venant avec son savoir, dans une parfaite discipline d'action, épaulé tout aussitôt par les services de l'État, de l'armée et de tous ceux qui avaient à apporter leur aide sur l'ordre qui leur en fut immédiatement donné dans une organisation qui force l'admiration. Je voudrais que tous, pensant à ceux que j'ai vus hier, tels qui avaient rétabli l'eau, ceux qui l'avaient amené jusque dans les campements, aux équipes de médecins que j'ai vus et avec qui j'ai parlé, qui depuis 27 jours, sans pause, sont venus au secours de la population.